Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Attention, on te monte bien au Naville Saint-Marc, hier mercredi 21 avril 2021. Après la police, c'est une crasée à gaz lacrymogène. Troisième journée, manifestation, Koussoukou, élève lycéo t'a fait dans Ville Saint-Marc pour demander professeur dans salle classio. Élève lycéo t'a marché, lagué toute notre école qui t'a fonctionné dans cité lycée Saint-Gère, hein. Après que la police, lui-même, t'a fait bah, au gaz lacrymogène et simé coco macaque sur eux. En écoute, reportage avec collaborateur nous, Milsama Davis. Yon l'autre fois encore, la police en commissariat Saint-Marc, sima et gaz lacrymogène, plusieurs fois sous élèves lycéo, matin mercredi 21 avril 2021, dans quatre manifestations fait pour demander professeurs dans salle classio. Élèves qui critiquaient complètement la police dans Saint-Marc fait connaître, yon pas ouais, pour qui raison la police sima et gaz sous yon comme ça. Nous ne pas fini, nous ne l'a rien, nous ne l'a juste, nous passons. Nous avons environ 2 semaines dans le barrage de l'OFESET. J'ai dit que les élèves qui prennent l'examen, qui subissent l'examen, même j'ai élève collège. Nous avons besoin de passer l'année complète. J'ai dit que j'ai élève collège, j'ai fait l'année complète. Nous toujours dans la misère. Si nous voulons vous suspendre, je ne veux pas nous prenons l'aïe pour bon, nous allons aller au bout de semaine ça là. Nous prenons l'aïe. Si vous voulez bien nous professeur, je vais nous gâter barrage, nous allons nous mettre en professeur. Élèves, machin, femme, maxi bébé, tap couru dans toute direction sans qu'on ait un côté ou balé, parce que pas de cas supporté en bagage là. Panique générale dans centre-ville là. Lycéens promettent, y a continué mouvement jusqu'à ce que vous joignez satisfaction à revendication, yo. Merci, Madeus, sur le même sujet, hein. Président syndicat ancien, on a vu le Gonaïve, Didier Pierre, déploré à cause du secteur ancien, à retourner la grève pour ou revendication, qui pour que j'en arrive satisfait. Côté élève l'école, public est obligé à manifester chaque jour pour réclamer professeur dans sa classe, yo. Professeur Didier Pierre, m'a des responsables éducation, yo, pour répondre avec revendication ancien, yo. Pour ça, qui vient pour avec concours qui est organisé par direction départementale, ministère de l'éducation nationale, hein, pour recruter anciens, les syndicalistes ont déclaré pas de gagner concours qui était fait dans ce sens-là, mais plutôt sur une mascarade qui était organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Non, bon naïf. Un côté professeur Didier Pierre. Et bon, c'est encore une fois très dommage que c'est rentré dans la grève et que semaine prochaine, on va venir en pile manifestation de rue, en pile problème. On va gagner de graves difficultés. Quid des questions et élèves et nouveaux secondaires qui ont passé en misère, on est sur un traditionnel, sur un nouveau secondaire. Bon, c'est certain système qui ne marche pas et que bon, c'est normal que le ministère là, lui résout le problème ça parce que la grève ça allait trop durer. C'est un bail qui est très simple, 4 de débit, mais le professeur a réclamé que le bail parce que il y a une provision budgétaire qui fait pour ça. D'ailleurs, il dit que trésor public comme l'absouti, c'est bail des fonds qui va aller secteur, mais que monsieur, bah, même connaît que cadet lui-même va avoir intérêt avec question d'éducation parce que tout comme qui est dans le secteur, c'est voté par le palais national, même Jean École a pris tout comme le département voté par les Port-au-Prince, et c'est même réalité ça qui est dans la question d'éducation, hein, et que le secteur encore une fois en crise, et c'est dommage que nous entrions dans grève et dans le contexte de situation très générale qui est là, je ne veux dire. Bon, c'est des clés pas de concours, sont pour la civilité de mascarade de concours, et que monsieur, pour faire concours, il faut qu'on nomme une salle de classe, et puis sous 10 concours, on apprend gaz à crimogène, et à parité professeur, maltraité professeur, école d'apprendre. Que le désolé, mais qu'on y a, je ne pas premier ministre encore, bien qu'on ait, et il y a un peu de parole qui a parlé sur question de concours. Parce que pas pendant faire concours et pour tout le monde. On dit, si c'est le moment de recruter ce concours, mes amis, mais recruter tout le monde sur concours, finalement, on vient à l'éducation, recrutement sur concours, bon pour moi, comme chef syndicat. Le monde, même dans la LBA, comme on a fait mon job, parce que je ne pas mon job, comme on n'aime pas nommer le monde. Mais là, que ce concours, il fait qu'on y a un problème, qu'on y a un monde, lié à l'un concours, lié à l'un vin dans le syndicat, qu'on y a laissé un appui, qu'on y a foncé. Mais des fois, on dit, comme chef syndicat, comme on a fait mon travail. Alors que si c'est ce concours vous avez recruté le monde, et bien prenez les meilleurs et que nous même capables d'avancer. Moi, je pense que c'est normal que y ait un recrutement sur ce concours qui fait, mais fuck, il y a des gens qui ont salué, c'est notre revendication. Que vous faites ça au frère, même moi, j'arrive à nommer les gens, tant que les gens qui ont salué, pas nommer le système-là, a toujours une crise là-dedans.
Nous avons écouté professeur Didier Pierre, qui est président de l'association ancien la Cibonite, qui a réagi sous grève que ancien obligé à faire pour faire revendication au passé à cause de l'État pas jamais satisfait revendication. Dossier kidnapping, neuf religieux, toujours dans mes gangs 400 marozo dans quoi des bouquets, soit 12 jours après que vous avez fini kidnappé, dans le moment où vous avez dans l'ordination, yon père. Père Evans Joseph nan kwa de bouquet. Et bien catholique yo nan sans ça exprimer gros douleur que gagné, yo annoncé toute université avec l'école catholique yo, que le presbytéral ou bien le congréganiste à l'exception de l'hôpital yo ensemble avec centre santé yo, tout a fermé depuis hier mercredi 21 avril 2021 pour arriver jusqu'à vendredi 23 avril yo façon pour exiger libération neuf religieux qui en bas main gang 400 mabozo nan kwa de bouquet. Nan sans ça gemesa qui célébré avec cloche cap à partir de midi chaque jour dans différentes églises catholiques dans tout le pays d'Haïti, toujours dans le cadre de mobilisation qu'a fait pour demander libération aux victimes qui toujours en bas mais kidnappeurs. Ancien sénateur proche président républicain Jovenel Moïse dans sa salle dit les craintes pour population pas adapter avec les affaires kidnapping qui a développé en deux pays parce que jusqu'à présent pas gain aucun mesure sérieux que chef l'État prend pour freiner phénomène insécurité. Ancien sénateur Gabriel Fortuné lui croit que le président a dû faire appel avec la communauté internationale pour résoudre problème insécurité. Gabriel Fortuné dit il regrette ni la police avec la justice pas qu'à faire un kenanien pour capable freiner phénomène insécurité à balayer chaque jour en deux pays. Nous avons écouté ancien sénateur Gabriel Fortuné et qui est également conseiller président républicain Jovenel Moïse. Kidnapping, c'est parce qu'il est plus élevé dans l'économie criminelle. Là. Comment moun fait cop facile, comment on fait cop fait noir en toute impunité? Parce que la justice, ça n'a pas existé du tout. La police là, nous briser les, nous tuer la police là. Les politiciens qui détruisent la police. Et là encore, jusqu'à il y a deux ans, DCPJ, comme mon Dieu, DCPJ contre tout ça qui a passé dans le pays. Mais la DCPJ sortit un rapport maintenant sur des délinquants, sur des actes criminels. Qu'est-ce que ça nous fait? Dans ce monde pas nous. Nous rentrons le rapport là. Nous avons un scandale qui était passé au Sénat. Toujours dit ça. Là, ça fait mal l'affaire de mon Dieu. Parce que le rapport de DCPJ, c'est un rapport impeccable, irréfutable, des preuves irréfutables. Et puis il y a un juge et même qui sanctionnait non pas acte des délinquants actes criminels là, mais il sanctionnait des DCPJ. Et puis ça finit. Ça pas dissocié de rien. Moi-même m'a perdu. Dernier cas passé dans l'église du Kinia. Et puis dernier cas passé avec les religieux. Regardez, c'est ce secteur qui touche directement, qui réagit, mais pas la société tout entière. Moi-même, ça me fait je dis, c'est comme si progressivement on a accommodé nous à la situation ça. On a résilié nous. Nous disons c'est qu'on s'allie. Naturellement, nous faisons ça. Tout ça n'a pas marché, nous essayons d'adapter nous avec. Là, c'est l'autre niveau nous sommes capables de prendre avec des choses ça. Bon, deux cas, et pas n'importe quel cas. Parce qu'on a parlé de l'église adventiste, on a parlé de l'église catholique. On a une situation commencée à dépasser maintenant le gouvernement qu'il a, hein, l'État qu'il a. Il commence à dépasser. Hein? De toute façon, par exemple, si on prend la question de l'État islamique, le terrorisme au Proche-Orient, etc., on va commencer à passer. Finalement, c'est toute la communauté internationale qui investit pour faire face à un phénomène ça. À un certain moment, il est le temps pour que le président de la République là, hein, fait preuve de son incapacité à faire face à ça. À ce phénomène qui met l'existence de Haïtien en question, l'avenir du pays en question, pour le faire ça, le doit faire. C'est-à-dire, mander communauté internationale là, pour aider le faire face à cette situation. Quel que soit le prix à payer, c'est ça lié dans la vie. Hein? Ce n'est pas possible parce que force de police, nous, il n'y a pas aucun monde qui contrôle la police nationale. Vous regardez l'histoire du section 9, pas aucun monde qui contrôle lui. Les forces armées d'Haïti, bon, c'est pas grand chose. Les renseignements, informations, services secrets d'Haïti, c'est jouet, ben, on vous connaissez. Donc, institution qui t'a dû placer pour faire face minimalement à ces choses-là, nous pas exister. Nous détruisons, nous, politiciens, détruisons. Je dis à pas beaucoup qui nous sommes avec des politiciens, non. Nous avons détruit ce pays, les politiciens. Donc, je dis, tant que membres de l'ONU, il faut que nous pas cacher, il faut que nous fassions appel à la communauté internationale maintenant pour nous faire face à ce phénomène. Ça dépend des causes-là et d'objectifs-là. Mais pour le moment, pour la suivi même du peuple haïtien, je pense que c'est nécessaire. Peut-être blanc, il doit quitter ou quitter ça, le nec, ou tuer tes tueurs, parce que nous méritons ça. Parce que là, tu es qualifié de pays, de tout le monde d'après là, nous sommes Gabriel Valdez. Mais ça, Gabriel Valdez, si Haïti est un pays en voie d'extinction, mais toute politique, c'est vrai, notre Gabriel Valdez, mais qui est-ce qui raison, je veux dire. C'est pas
14 millions de monde n'a vienne dans chèque non qui le pays mou déteint. Non, c'est pas ça. Ou là la vie a vienne pas de sens pour parce que pendant on a fait émission là on a dit nous petit nous des problèmes, nous frères nous des problèmes, cousins nous zone nous haïtiens des problèmes, yo kidnappé et puis c'est fini comme si de rien n'était. Ou t'a coûté ancien sénateur républicain qui à la fois conseiller président républicain Jovenel Moïse sous question phénomène kidnapping nan insécurité hein du quoi que président pas fait en rien et le regret tout que ni la police ni la justice pas capable de travailler comme ça droit pour capable mettre frein à phénomène insécurité hein. N'a parlé de ces manifestations fois ça manifestation politique pour nous diverses organisations politiques qui nan opposition hein. Mettez un bout à 21 tours par les nationales t'a fait depuis commencement mois d'avril. Dernier tout ça fait hier mercredi 21, c'est pour faire solidarité avec religieux qui n'ont mais ravisseurs dans quoi des bouquets et puis dénoncer insécurité généralisée avec sa kidnapping qui passe suspendre dans le pays d'Haïti. Ils continuent à prendre le départ président républicain Jovenel Moïse au pouvoir. Protestataires y auraient été déterminés. Y a privé déchouquer chef d'État haïtien Jovenel Moïse dans tête pays. Hein. Y a avancé plusieurs exemples qui d'après eux-mêmes montrent à clair. C'est pour Jovenel Moïse aller dans campé loin ou bien rentrer directement dans le pénitentiaire national. Nous avons vu côté quelques militants qui ont manifesté, qui ont fait 7 tours par les nationales. Ils ont même fait déclaration ça dans micro la presse. Premier ministre encore, nous avons Madame Sisson qui a porté support à lui-même. Madame Sisson démissionné, ou bien sortir une note négative pour dire que l'IPACA supporter gouvernement de facto ça, gouvernement sanguiné ça, qui a fait crime dans le pays, et bien situation pas propice pour un référendum dans le pays pour organiser l'élection. Ça veut dire que nous commençons à porter la victoire. Bravo avec la population haïtienne. C'est toi, les boumales nationales. C'est toi, les boumales sacbelles. C'est toi, les boumales sac la saline. C'est toi, les boumales sac le Tokyo. Et c'est toi, un appel contre. Gang Genefio, qui a intimidé la population, ni fait au baka sorti, ni fait au baka dire au grand goût, qui est-ce pas à l'aise dans le pays. Parce que nous connaissons Jovenel à kidnapper, nous connaissons barbecue à kidnapper, tout côté qui s'est engagé, tout côté dans le ghetto qui s'est manifesté pour la caillou, en descendant, vision masse. Une bataille pour les tirer s'il pieds à la balle nationale. Question kidnapping, c'est tribord et baba. Répression syndicale qu'a fait sur ensemble de monde qui sont des dirigeants syndicales. Je dis à selon un article qui sorti dans Miami Herald, écrit par Jacqueline Charles, payé 37 000 dollars américains qui équivaut aux environ 3 millions de gouttes pour plusieurs lobbyistes pour capable faire lobby dans l'international, particulièrement aux États-Unis. Donc, comme ça, l'homme garde par rapport à des enseignants qui a demandé uniquement 5 000 gouttes pour un petit cap de débit, nous comprenons que l'État, ça, c'est l'État criminel qui va décider de résoudre pas quelques problèmes dans le pays. Côté solidarité, nous, ensemble avec Moun Belair et ensemble avec Timounio qui est dans la rue. Donc, nous disons ça encore que Jovenel Moïse sont criminels qui possèdent par un esprit assassin qui a poussé la population haïtienne. Et Jovenel Moïse, nous sommes capables de avec toute l'équipe HTK, mais c'est ça. C'est l'argent qui est intéressé. C'est l'argent, c'est privilège et qui a un avantage social dans l'État qui est intéressé. Donc pays pas intéressé, mais ça. Et ça que la population dit, nous ne prenons pas l'élection, nous ne prenons pas le référendum avec eux. Vous avez écouté quelques militants qui ont réagi sur cette tour que vous avez fait devant le palais national. Côté au moment où vous avez 21 tours palais, vous avez fait pour demander la paix dans le pays pour capable de dénoncer le climat insécurité généralisé, le kidnapping et puis pour demander départ. Président républicain Jovenel Moïse n'a pas l'air national. Toujours de ces mobilisations, syndicats ouvriers textiles avec habillement, bataille ouvrier, ce tableau annonce deux journées de mobilisation pour samedi 1er avec dimanche 2 mai, Kavina. De façon plus continuer à dire non avec répression, continuer à dénoncer le phénomène kidnapping avec insécurité qui a paralysé le pays d'Haïti à 6 mètres chaque jour dans la population. Dans ce sens, ce tableau qui est syndicat ouvrier textile avec habillement, il a invité ouvriers dans tout l'autre secteur pour venir porter collé à Kyo dans la bataille, il y a mené contre équipe en place là. Porte-parole sur Taboua, Télémac Pierre avec coordonnateur général, Mackenzie Kader a fait déclaration que nous avons écouté. 1er mai 2021, nous dit faut gagner une autre alternative qui baille. C'est pour nous dire non
ak repression kap fèt nan peyi a, non a kidnapping kap fèt nan peyi a, non ak insécurité programmée ki genyen la, et ouvriye yo, yo prè pou yo rentre nan batay la. Diferent secteur yo deja, yo fè manifestation, yo fè tout kalite mobilisation, pa gen résultat. Comme nous même se travaille kap travay, ki genyen force moteur économie, nous disons nous allons commencer à lever campé, nous faisons une mobilisation. Ce n'est pas un marche pacifique comme à l'ordinaire nous allons faire. Parce que je dis, gouvernement, l'idée facto, mandat Jovenel Moïse fini depuis 3 mois, nous pas capable de demander Jovenel Moïse bah nous salaire. Ça qui est là, il plus. On simple revendication mandé on grappe d'ailleurs en plus sous salaire sous on grappe d'ailleurs en plus par rapport à prix pour du nécessité qui va suspendre et peut-être raison ça nous dit des journées mobilisation ça tout secteur dans vie nationale là vienne porter coller là dedans même si c'est ouvrier en particulier qui prend initiative lancel mais n'attend tout secteur sous béton 1er mai n'a commencé première journée devant son api n'a fait route aéroport n'a pas devant on a pour nous délivrer un message là nous sorti devant on a n'a monté avenue Martin Luther King pour nous al bout sous champ de masse devant l'air pour nous capables, moi de Jovenel Moïse, moi d'Alfini, la Guépil, parce que nous pas capables de vivre dans conditions d'insécurité programmée, ça qui vient la Guépil. Bataille pour question salaire avec avantage social, là, il doit redémarrer sur l'autre base avec l'autre l'État, parce que nous clair que l'État qui l'a, il n'a pas ni légitimité, ni qualité pour lui prendre en compte les revendications. Nous n'avons pas en affaire à gouvernement de facto, cap maspiné, peuple là, cap maspiné syndicaliste, cap fait gaspiller une enfant au Nayo, qui complice avec patron qui a fait suspension. Attribution illégale et puis arbitraire pour que nous rendions compte que nous avons une grosse bataille pour le système PC sous CA, l'IVE Kaba tout bon bruit. Il y a trop de dérives pour nous handicaper garder seulement en question salaire minimum qui pour agir seulement. Revendication nous, il y a pas ça seulement. Il y a une pigonne. Nous devons prendre responsabilité nous en grand monde. Combat. Nous en prenons l'autre niveau, une autre dimension, je dis. Nous pas dans le système Moudi encore. Prenons Ulrich Joly, t'es déjà montré nous comment pour nous faire résistance, qui c'est seule option pour nous changer la vie, nous. Donc, nous demandons à l'autre organisation travailleuse, tout secteur, tant pour enseignants, employés l'État, travailleurs, industrie et agricole, travailleurs, secteur informel et l'atelier, viennent pour décoller. On ramasse force nous pour nous entrer dans la bataille pour faire respecter le droit démocratique, peuple arraché, en bas gros gourmet contre régime Duvalier à nous songer ça. Faut que nous reprenne qualité lit et pratique antisyndicale contre régime qui a violé droit économique, politique et social. Nous en mobiliser pour nous organiser en 1er mai. Conséquent, tant que le syndicalisme 1963 a été fait, et puis nous pas doué danser collé à régime dictatorial grand négro à mettre sous pied là. Nous même dans ce tableau nous clair que mot de la c'est bataille ouvrière pour année 2021, c'est dernier goutte d'eau qui pour chaque système. On t'a écouté dirigeant sur Taboyo, Télac Pierre avec Mackenzie Kader, yo même qui sont dans le syndicat ouvrier textile, qui a annoncé 2 journées de mobilisation contre insécurité, contre kidnapping, et puis mandé départ président de la République de Jovenel Moïse, dans la date 1er avec dimanche 2 mai 2021. On a toujours été dans le dossier insécurité, hein, pour nous dire toute l'école qu'on organise sur sous les Lagonaves, pas fonctionné depuis hier mercredi 21 avril, là, pour y venir jusqu'à vendredi 23 avril, là, une façon pour exiger libération sept religieux, qui toujours en bas, mais gagne 400 marozio dans quoi des bouquets. Y'a l'autre bord, moun ka vive dans l'île de Lagonave, après qu'on est, ça fait kidnapping, là, mettez yo, non plus difficulté à cause de pas qu'à voyager pour aller dans la capitale pays, là, Port-au-Prince. Doré Reynolds, c'est correspondant à Radio Pyramide, sous l'île de Lagonave. Là-bas, non plus de détails. Toute l'école, qu'a dirigée par Payo, Campé Travail, journée mercredi 21 avril 2021, pour arriver vendredi 23 avril, cap vini la. Décision ça prend, c'est parce que bandi 400 maozo yo, kembe en bas me yo, plusieurs paix ak me, depuis plus passé yon semaine, dirigeant l'église catholique yo, nan région Gonavienne, des concerts à quelques églises protestantes mandé ravisser yo libérer servante ak serviteur bon Dieu yo yon façon pour malédiction pas tomber sur yo. Parallèlement, citoyen yo sous ilé a dit zafè kidnapping sa mete yo nan an pile difficulté puisque d'après ça yo fait quoi c'est dans capitale là pour y aller chercher ti la manjay pour sauver famille yo qui donc lè yo pas voyager situation compliquée pour yo en pile n'a fort connait gagné yon ti ou nou parmi moun sa yo qui fait quoi
kidnapping si la semble coup de goudlo à qui ont kidnapping l'État en Sagale, Lagonave, Doré, Reynold, Radio, Pyramide FM. Merci Doré Reynold, n'a toujours été dans le dossier insécurité, hein. N'a toujours président syndicat ancien, dans la ville Gonaïve, professeur Didier Pierre, il y a une situation insécurité, hein, qui a développé chaque jour en dans le pays d'Haïti. Professeur Didier Pierre fait connaître, président de la République, Jovenel Moïse, pape dirigé pays, hein, depuis quelques temps, côté lui accusé pouvoir en place là qui dans connivence avec gang yo et puis société a accepté ça qu'a fait dans tout président syndicat ancien dit paysan pas marché pendant lui mandé à population pour pas accepter façon insécurité a grandi chaque jour dans paysan et également dans département de la Tibonite là professeur Didier Pierre dans micro Alain Etienne. Et me pense faut nous pas chercher faire la nandria, faut nous poser problème réellement. Le pays n'est pas dirigé depuis quelque temps. Ça fait longtemps mais depuis quelques 4 ans 5 ans avec Jovenel comme président, pas un pays et que l'État c'est monopole de la force légitime mais il pas sans doute que tout le monde connaît que pouvoir qu'il a le déconnivance avec son pouvoir qui fédère gang et tout le monde dans la société a croisé bois qui était d'accord. On dame campé sur radio, yo kidnappé dominicain, il d'accord dit c'est l'ictéal derrière, moun yo nan main et kidnapper yo. Pas gagne monde qui pose la question, pas gagne monde qui fait rien. Mais est-ce qu'on connaît actuellement là la justice qui presque 3 mois juge par exemple dans le tribunal. Ça dit ou gon pays pas marché, c'est vrai les kidnappé un monde, famille victime dans chair yo, les retiré un monde, famille victime dans chair yo. Même penser que nous doit suspendre avec mouvement secteur ça, c'est-à-dire yo attaquer professeur, professeur campé, yo attaquer médecin, médecin campé, yo attaquer prêtre, l'église catholique ferme toute l'école. Contre l'église catholique, les ont fait par exemple manifestation pour que contre dictature, contre insécurité dans le pays là. L'église protestante pas dit yo jouer pasteur. Tout gens c'est catholique dit que chrétien l'église protestant ap dans la rue parce que les sont faites pour protester. Même pense là son bagage qui est très sérieux. Pense que faut toute société a d'accord que nous devons avancer. Ça nous rend compte que barricade partout. Actuellement on tient monde qui l'école catholique là qui pas connait qui besoin l'école bacal l'école. C'est-à-dire yo ferme toute l'école yo. Je pense que c'est pas pour ça seulement parce que c'est excessivement grave. Oui, ça me dit kidnapper 13 monde depuis plus que 12 jours. Non mais autorité pas jamais bonjour, fais un coup, fais un déplacement que j'entende soit ministre-justice, soit directeur de la police, soit président de la République. Non, pays, sérieux, maintenant. 10 citoyens dans ces groupes bandits. C'est branle bas, oui. Mais pas grand rythme de fonctionner dans le pays, non? Ça, c'est le problème, c'est Jovenel. Le problème, c'est Jovenel. Le pays n'est pas dirigé. Il faut un changement de direction à la tête du pays. Et ça, pour tout le monde, dit. Pas une groupe de monde qui dit oui, kidnapping, ceci, nous parlons de non, non. Pas chercher le fièvre là, André. Sinon, comme on a Alba, on cherche le fièvre là, on a comme on a pour nous parler. Parce que, il est clair que c'est Jovenel qui va diriger le pays. Et le pays, il y a un peu pas d'autorité. Tout le monde fait ça dans le pays. Pas une institution qui a fonctionné. Mais un pays qui réduit en seul monde que le monde n'a pas même qu'à diriger. Mais c'est ça que nous gagnons. Ça comme on dit que kidnapping, insécurité, blocage, tout ça, barricade, c'est des épiphénomènes et que faut la chercher pour venir plus profond. Et pour l'instant, c'est que c'est Jovenel qui doit dégager de pays pour que le monde ne pas brûler sauf dans le pays. Au top côté, professeur Didier Pierre qui a réagi sur le dossier insécurité qui a valé chaque jour dans le pays. Côté tout partout, il y a un assassinat ou bien un kidnapping. Donc tout le monde croit qu'il y a bouqué avec ça qu'a fait. Avec dossier élection qui fait maintenant pour CSPJ, hein. Dans le tribunal premier instance, dans tout le pays, il y a là, un nouveau représentant, dans le conseil supérieur pouvoir judiciaire, Maître Wando Saint-Villiers, qui remporte l'élection avec 124 voix contre 70 pour le tribunal premier instance par le prince, là, Maître Bernard Saint-Ville, avec une voix pour l'Aubens Élysée. Maître Wando Saint-Villiers, donc c'est lui qui vient comme représentant tribunal première instance, il vient remplacer doyen Massillon, doyen tribunal première instance Saint-Maclan, dans CSPJ, Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Maître Carlos Hercule, ancien bâtonnier, l'autre avocat ou n'importe quel prince, ancien membre CSPJ, a porté précision dans Micro La Presse. Après des comptes général des procès-verbaux du scrutin, le candidat Élisée Loubens a totalisé un vote. Le candidat Bernard Saint-Ville a totalisé 70 votes. Et le candidat Wando Saint-Villiers a obtenu 124 votes. En conséquence, le candidat Wando Saint-Villiers est arrivé en première position. Le comité électoral demande au secrétaire général de bien vouloir donner avis au président du CSPJ ainsi qu'au candidat des résultats préliminaires de l'élection du représentant des juges des tribunaux de première instance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. On a écouté Maître Carlos Hercule qui a réagi sur l'élection qui a été organisée pour capable de choisir. Il y a un monde qui va remplacer Maître Massillon qui s'est comme représentant du tribunal première instance dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Dans ce sens,
Maître Wendo Saint-Pilier, qui vient nouveau représentant CSPJ, dit ça de victoire, ça, pendant lui remercier tout le monde qui était voté pour lui, pour être capable de choisir pour venir comme représentant tribunal première instance en dans CSPJ, ancien président de l'association professionnelle magistrat, pour mettre pour le travail en faveur de l'indépendance pour pouvoir judiciaire, avec bien-être tout magistrat en dans système. Maître Wando Saint-Villier. Tout d'abord, m'a commencé par remercier tous les collègues magistrats, tribunal première instance, qui, dans grande majorité, ont choisi moi comme futur représentant à partir du mois de juillet dans CSPJ. Moi, remercie tous les collègues magistrats qui pas dans le tribunal de première instance, mais qui étaient bons supports pendant toute période de campagne électorale. Là. Un bon regard particulier pour tous les collègues magistrats, tribunal première instance, qui étaient vraiment supportés moi, fait campagne là, ensemble avec. Donc, moi dis que nous arrivons à remporter la victoire et c'est pour le bien de la justice, pour le renforcement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, car je connais que, ensemble avec l'autre conseiller qui est dans CSPJ, à partir du mois de juillet, donc nous pouvons aller mettre nous pour que nous soyons capables de travailler pour bien-être magistrature, pour bien-être la justice. Moi, j'ai profité pour que moi salue mes concurrents, que ce soit le doyen Bernard Saint-Ville, qui c'est un monde que moi respecté en pile et gain en pile estime pour lui. Moi salue tout mon collègue Louben Célizé, qui d'ailleurs pendant bon temps nous a fait à collaborer au niveau associatif. Donc moi dis que la victoire c'est pour nous toutes, puisque nous toutes c'est un élan d'effort pour que nous capables aider le système non que nous avons posé candidature. Moi longe la main bayo parce que la magistrature haïtienne est depuis un pile temps qui est vraiment renforcé et toujours dégager un esprit d'unité à chaque fois. Donc nous avons gardé le même esprit d'unité ça pour que nous soyons capables d'avancer, pour nous aller vers là. Bon, en fait, gagner vision moi, de manière globale, qui est très large, qui embrasse des problèmes structurels, système dans gagner, et des problèmes conjoncturels. Tout. Mais pour les 3 ans à venir, nous prenons le chita ensemble avec l'autre conseiller qui a gagné dans le conseil là pour que nous établissions un plan triennal qui a bien la dernière grand axe d'action pendant 3 ans et pour que nous commencions par faire des réalisations qui durables pour le système judiciaire haïtien. Ça, c'est un axe fondamental lié. Et tout le monde connaît combat moins, foi moins, conviction moins dans la lutte pour l'indépendance de la justice. Et là, c'est le premier élément parce que nous croyons que c'est une justice qui est forte et qui est indépendante, qui est capable de river, faire de société noire une société de droit. Mais par contre, si perception ça existait vraiment, mais on syndicaliste, c'est pas ça seulement. Donc, nous réfléchissons en pile sur questions qui concernaient l'indépendance de la justice, sur le fonctionnement système-là, et nous produisons des documents sur ça. Le LEM dit non, c'est pas seulement moi-même, en pile l'autre collègue magistrat. Donc, nous faisons un travail didactique et pédagogique et nous suscitons une prise de conscience et on sentiment d'appartenance très fort depuis quelque temps au niveau de la magistrature haïtienne. Maintenant, et au CSPJ, ce ne sera pas en fait la même position que les maintenant tête association professionnelle des magistrats. Mais c'est de préférence en position côté maintenant superstructure, à savoir le CSPJ, pour que nous soyons capables de décider et sous orientation pour le système judiciaire. Au contraire, donc c'est à bon moment pour que tout ça me gagne comme vision et tout ça me gagne comme idée pour que nous soyons capables de profiter ou comment nous capables de jouer un compromis qui est nécessaire au niveau du conseil pour le passé. Vous avez écouté, juge Wando Saint-Villiers, qui vient de couler un nouveau représentant tribunal première instance dans CSPJ. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, qui lui-même perdu l'élection face à juge Wando Saint-Villiers, fait qu'on ait l'élection déroulée dans toute transparence. Il a annoncé ne pas faire aucune contestation contre le résultat de l'élection trouvé qui était faite dans conditions normales. Juge Bernard Saint-Ville a porté précision. Étant donné que les 2 autres candidats sont partis, je n'ai qu'à remercier le comité électoral d'avoir fait œuvre qui vaille. Je dois reconnaître que le scrutin s'est déroulé à la totale transparence. Je remercie toute l'équipe qui a travaillé avec moi pendant environ 1 mois. Je félicite tous les électeurs. Et j'accepte ma défaite. Je ne vais pas contester les résultats qui viennent d'être proclamés. Au d'après des juges Bernard Saint-Ville, qui croit que l'élection passait comme ça droit, malgré le perdu et l'encouragé adversaire, juge Wando Saint-Villiers, pour que lui-même continue de travailler pour indépendance magistrature et puis pour bien-être chaque magistrat en particulier. N'a fait un dossier justice là, nous parlons pas les questions référendum constitution. Parlement national lancé, la Kembe tête droite référendum constitutionnel là, pour date 27 juin cabinet là.
Parole sa yo sorti bon côté conseiller président public dans Jovenel Moïse, monsieur Patrick Crispin, qui dit pas trop important sa déclaration président parti politique PHTK, monsieur Liné Baltazar, qui fait pendant semaine, monsieur Patrick Crispin, qui c'est conseiller président public dans Jovenel Moïse, fait quoi que président public dans Jovenel Moïse va pour parti PHTK encore, mais c'est pour nation alliée depuis l'élite prend tête pouvoir en place là. N'a pas écouté Patrick Crispin, qui s'est conseillé président de la République, là, Jovenel Moïse. La position de Liné Baltazar, parti qui est allé dans l'élection, qui a environ 2000 élus, malgré départ députés et sénateurs, qui en place à travers collectivité territoriale. Président Jovenel Moïse, citoyen, et que parti politique là, qui choisi, voulait l'élection. Jovenel Moïse en campagne, avant d'être élu président, les marchés dans 10 départements géographiques pays dans section communale, elle fait campagne, et à travers pays, il y a diverses qualités moun de l'autre groupe politique ou de citoyens qui ne tout qui votent. Depuis l'élection en fin de fête, du point de vue du droit électoral, droit constitutionnel, président Jovenel Moïse qui est élu, n'est pas appartenu à PHTK encore, n'est pas appartenu à la nation. Ce qui fait que PHTK comme parti politique, qui, du pouvoir, est capable d'une position, parle en fonction de lecture, les affaires de conjoncture. C'est ça, il y a les démocraties. Puisque c'est président, parti PHTK qui parlait, Liné Baltazar, et qui parlait avec costume président PHTK. Et comme c'est lui-même qui parlait, c'est parti PHTK qui parlait, ça montrait clairement un grand pas que n'a fait la démocratie dans le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse, administration non, comprend la nécessité pour un changement dans la constitution, hein? Ça veut dire qu'on nécessité pour nous avoir une constitution qui est typiquement haïtienne, côté coutume nous, culture nous, mœurs nous. C'est pas que PHTK contre pour l'autre constitution, mais il posait un problème de technicalité face à l'institution qui pour délivrer Katio et partant qui vient en face nous, d'après analyse Payo, il croit que les papes étant possible pour ça d'affaire. Mais je voulais vous dire, attention, pendant le président Jovenel Moïse qui appartenait à la nation, l'immense nation pour tout acteur qui concerne yo, pour créer un climat sécuritaire qui permette et facilite l'organisation élection en Nabiya. Vous avez écouté conseiller président public Jovenel Moïse, monsieur Patrick Crispin, qui a annoncé que va bah, en pile importance avec déclaration président parti politique PHTK Liné Baltazar, parti ça qui te permet que président public Jovenel Moïse monte sous pouvoir, lui-même qui dénonçait question référendum constitution, dit quoi qui pas possible techniquement à cause rapport Nations Unies avec rapport Onibay, il y a pas bien bah, tout le monde carte électorale pour participer dans la question référendum 27 juin. Toujours dans le même dossier, le secrétaire général plateforme nationale secteur populaire haïtien, je donne les rissons, dit l'encourager Jovenel Moïse pour lui engager un processus pour dialogue, là, pour le capable de venir une solution à la crise qui a traversé pays chaque jour plus. Dirigeants politiques, place plat, invité tout notre parti pour capable prendre route dialogue, là, pour éviter pays à tomber dans un chaos. Je donne les rissons, la palais pour plateforme nationale secteur populaire haïtien. Parti place plat, prend engagement à partir de constat que nous fait dans la dernière tournée nous fait en République Dominicaine pour nous arriver à avoir des dirigeants haïtiens en tête de l'État qui ont capacité pour le travail, pour développer des rapports d'échange économique, des rapports d'échange dans le domaine éducation, dans le domaine social, dans le domaine culturel, des rapports d'échange qui doivent développer entre Haïti et la République Dominicaine de manière réciproque et équitable. Parti Blanc-Spa nous prend engagement aujourd'hui devant nation haïtienne, devant peuple haïtien. Nous prenons bâton pèlerin nous pour nous aller rencontrer tout dirigeant parti politique, monde qui dans classe économique là, monde qui dans classe des affaires, monde qui dans secteur religieux, monde qui dans société civile là, parti Blanc-Spa nous prend engagement, nous prend marché contre eux pour nous dire nous pas cap passer 215 l'année à faire brigandage politique, l'île temps pour nous faire une halte là, pour nous prendre un dialogue, pour nous capables de planifier le développement du pays d'Haïti. Et parti Blanc-Spa, profitez même occasion ça,
pour nous encourager chef l'État, président Jovenel Moïse, qui a mandat peuple à Namel, qui a fini 7 février 2022, pour faire même exercice ça, pour la marche contre opposants politiques, tant que Yuri Latortu, André Michel, Edmond Suplice Bozil, Nenel Kassi, Don Kato, El Atrier, pour président Dio, nous pas qu'à passer 215 années à faire brigandage politique. Je dis à ce moment pour nous chita, pour nous planifier développement pays. Parce que si M. Sayo pas décidé chita, eh bien, parti Blanc pas a demandé papa Issaïen à travers l'élection qui va le faire pour renouveler personnel politique pays. Parti Blanc pas a demandé peuple haïtien pour le caléger, pour identifier tout le monde aujourd'hui qui fait la vie dans la pérèse. Vous avez écouté Judon Lérisson qui t'a parlé pour plateforme nationale secteur haïtien qui m'a demandé président de la République pour le prendre chemin de dialogue pendant seulement de l'autre parti pour le poter coller avec le président de la République pour éviter le pays à tomber dans un chaos. Nous allons parler environnement pour nous coordonnateur communal plateforme Vetla dans Gonaïves. Mon fils France réalisé une conférence débat avec plusieurs élèves dans différentes écoles dans la ville, mercredi 21 avril 2021, dans le cadre de Journée mondiale de la Terre. Objectif, c'est pour sensibiliser jeunesse là, sur nécessité qui gagne pour remembrer environnement dans le pays d'Haïti, pour permettre de respirer puis bien, et puis lutter contre dégradation environnement. Mon fils France, j'ai dressé un constat sur gravité fatra dans ville Gonaïve pendant y a travail pour former jeunesse là pour intégrer yo dans protéger ville que a vive là-dedans là qui c'est cité l'indépendance là. Nous plutôt côté mon fils France. Objectif là qui s'allait c'est pour nous pas passer jeudi à comme un jour pour nous passer inaperçu, c'est dans logique ça nous obliger ouais dans qui mesure pour nous capable vraiment brûler nous ensemble pour nous capable comment nous ca concerter sur un thème parce que qui général donc qui national tout parce que plateforme n'en fait dans 10 départements pays à voir dans diaspora pour le moment qui s'est remembré environnement c'est qui remembré environnement ça va permettre que nous pour respirer plus bien ça va permettre que conférence salle pour aboutir ensemble avec Jean Mounio utiliser une capable des manœuvres pour dégrader environnement mais non ça permet que je dis à Jean Noé Mounio a coupé pied bois non pas et plateforme vert cap prôner la révolution sociale nous pas accepter c'est dans logique ça qui nous crée moyen ça pour nous dans qui mesure pour nous capable avancer pour nous former jeunes yo pour nous former monde qui fait partie conférence débat ça également pour nous dans qui mesure ça ou te qu'on fait yo pas doit faire et ça yo gain pour yo faire pour nous capable conserver également pour nous capable conserver environnement nous font comme ça comme de dégradation environnement dans pays d'Haïti en prend ville Gonaïve constat. À qui ça nous tire comme constat pour ville Gonaïve? Donc nous tirons constat parce que ville Gonaïve est caractérisée par insalubrité parce que ville Gonaïve vient plus sale et qui jante ya. Mais vu que nous ouais c'est comme ça et ça vient permettre que jeunes en dans ville Gonaïve nous oblige faire appel ensemble avec eux pour nous former pour nous capable intégrer dans l'autre dynamique et dynamique ça pourra le permettre que je dis à si vous t'aiguez un objet non mais vous pas capable un objet ça pour la gueule atteindre la rue pour vous pas capable un objet ça pour la gueule André en jeune je dis en là donc moun pa ka respirer des fois qu'on a regardé dans espace ville la centre ville où moun y a boule fatra donc n'a formé jeune ça yo et vis-à-vis ensemble avec formation ça il parle des services société a et me penser que go naïve donc nan jou ka venir ça moun sa yo te kon utiliser jeune sa yo pour le prendre message yo pour le porter bay l'autre moun k'ap vive dans environnement y a dit mais comment pour yo concevoir mais comment pour capable sécuriser environnement vis-à-vis ensemble avec sa yo te kon fait yo pas doit faire yo pas doit continuer à poser action sa yo qui c'est action qui en dehors ensemble avec le développement durable. Est-ce que nous comptons faire ça seulement pour journée mondiale de la Terre? Non, nous pas comptons faire ça pour journée internationale, donc journée mondiale de la Terre, parce que 1er mai, nous avons grande activité, plateforme vers d'une façon départementale, nationalement, qui nous avons pour nous organiser, qui sont fois agro-artisanales. Là, nous disons fois agro-artisanales. On paquet de bagailles qui nous gagnent comme richesse dans la société, à nous voulons mettre à l'œil, en sorte que nous voulons exposer, et nous exposer au grand public, même que nan jou ka vini on a dit qui côté n'a fait exposition on pense que tout le monde pral participer parce que nous gain et en ce qui a trait question des arbres fruitiers que nous pral partager nous pral distribuer ensemble avec élèves yo ensemble avec universitaires nous gain plus passer 400 arbres fruitiers nous gain pour nous partager nous gain question des et question des mamba
plateforme nan déjà a préparé pour jeunes yo, a préparé pour population. Nous gagne confiture tout qui nous a préparé, nous gagne manger local. Nous gagne pour nous faire non espace côté pour tout le monde à venir desservir autre côté tout le monde à participer ensemble avec nous. Vous avez écouté mon fils Swans qui est coordonnateur communal plateforme verte là dans ville Gonaïve qui t'a parlé sur conférence débat ça organisé avec plusieurs élèves dans différentes écoles en cité de Balancelan hier mercredi 21 avril 2021. Pour fermer journal là, n'a pas aujourd'hui à 22 avril, c'est date anniversaire Jacques Stéphane Alexis. Pour tout garçon ça, s'il était encore vivant, je dis à ta fête exactement 99 l'année. N'a signalé Papa Doc dans le régime Boudzilan, t'es assassiné, petite cité de l'indépendance là, qui c'est Jacques Stéphane Alexis. L'issé Moun qui écrit compère général solaire avec un pilote œuvre, nous capables de passer dans l'Alliance française là, côté à fond semaine, il a parlé de Jacques Stéphane Alexis. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché, pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.